Bon matin à toutes et tous. On se retrouve pour le message de ce jeudi 7 décembre 2023. J'espère que vous allez bien, toutes et tous. Avant de commencer, merci mes anges de me rappeler votre présence. Merci mes anges de me révéler ce que j'ai besoin de savoir. Aujourd'hui, j'ai pigé la carte conseil, et c'est avec l'archange Azraël. Vous êtes un conseiller inné et nombreux sont ceux qui profitent des conseils et du réconfort que vous leur apportez. Travaillez avec l'archange Azraël. Et oui, vous pouvez travailler avec ce bel archange. Savez-vous ce que veut dire, ce que signifie le nom Azraël? Non, eh bien je vais vous le dire, c'est celui que Dieu aide, celui que Dieu aide. Et il assiste, eh bien, ce bel archange, ceux qui viennent en aide aux autres. Il souhaite particulièrement assister les conseillers qui travaillent auprès des endeuillés et des mourants. Demandez à ce bel archange Azraël de guider vos mots et vos actions pendant les séances de consultation. Et il vous aidera, n'est-ce pas? Il vous aidera à demeurer patient et compatissant. Il peut aussi vous aider à embrasser la profession de consultation et vous conduire dans la voie d'une formation, de stage, d'un cursus, etc., et d'une merveilleuse pratique en consultation. Message, de ce bel archange Azraël, pour certains d'entre vous, n'est-ce pas? Votre objectif de vie vous amène à aider les autres, vous amène à aider les autres à leur redonner du cœur, à les motiver, les réconforter, les soulager et à les inspirer. Vous savez, vous devez avoir confiance en vous. Vous êtes un véritable conseiller spirituel. Et on vous considère, n'est-ce pas, comme un confident fiable. Montez d'un cran dans votre travail de consultation. Vous en êtes capable, vous êtes prêt. Vous êtes en mesure d'aider en plus grand nombre de gens. Donc, montez d'un cran. Et faites appel à ce bel archange, Azraël, pour recevoir des instructions et du soutien. Sollicitez-le. Sollicitez-le parce que lui ne viendra pas à vous. Quand vous êtes en consultation et que vous êtes émotionnellement pris, demandez à ce bel archange de vous aider. Quel beau message, n'est-ce pas? Très, très beau message. On termine avec mes petites prières de guérison avec les anges. Et aujourd'hui, c'est la carte énergie. Est-ce que vous pouvez identifier ce qui vous redonne véritablement de l'énergie pour certains d'entre vous? Posez-vous cette question. Êtes-vous en hyperactivité permanente? Avez-vous la sensation que les autres vous pompent votre énergie? Alors, si tel est le cas, comment pouvez-vous y remédier? Arrêtez-vous là-dessus
Êtes-vous suffisamment en lien avec les énergies telluriques et cosmiques? Et pouvez-vous vous reconnecter à la nature pour retrouver votre, énergie vitale? Petite prière pour cette carte, mes anges. Mes anges, merci de me donner l'énergie nécessaire pour que mon corps fonctionne à la perfection. Je me connecte et je m'aligne à l'énergie de la terre et du ciel pour trouver l'équilibre. J'écoute les signaux de mon corps et j'y réponds en conscience. Et nous allons dire trois fois: je suis énergie, je mérite l'énergie. Je suis énergie, je mérite l'énergie. Je suis énergie, je mérite l'énergie. Ben voilà, je suis aussi l'énergie. Ah là là. Quelquefois, il y a d'autres personnes hein, qui nous pompent cette énergie. Mais voilà, nous sommes encore libres d'accepter ou pas, n'est-ce pas? Je vous souhaite une excellente journée et puis on se retrouve demain pour un nouveau message. Et d'ici là, portez-vous bien. Moi, je vous embrasse. À demain.